Dimitri Karbanenko, récemment naturalisé français, au sol. Mais Dimitri, qui est depuis peu marié avec une jeune Française, je comprends qu'elle se soit laissée tomber dans ses bras, Eric. Ses bras costauds, disons-le. Mais c'est un grand spécialiste au sol. Double saut périlleux tendu, impeccable. Un tout petit désaxé, mais ça ne compte pas, pour ainsi dire, parce qu'il n'y a pas de faute. Dimitri est quand même cinquième en ce moment de la Coupe du Monde au sol. C'est un des meilleurs au monde. Regardez ce travail de virtuose avec les cercles Thomas, les montées à l'équilibre, valse et souplesse. La puissance des épaules et des bras. Impressionnant, Dimitri. Saut de main, vrille et demi, saut périlleux avant, arrivé sur le ventre. Il va récupérer et nous allons vers la sortie, vers la fin de son mouvement. Rondade, flic-flac, full in. Ouais. Parfait. Le public de Bercy, en connaisseur, applaudit donc à tout rompre Dimitri Karbanenko, meilleur représentant de la France. Un Dimitri, oui. Dimitri qui a retrouvé parfaitement ses marques, qui est en pleine forme et qui a retrouvé au sol toute la virtuosité qui lui était propre. Il a un gros avantage, c'est qu'il a une détente.